Attention. Ce n'est pas le moment de perdre le fil de notre feuilleton, car cela devient très compliqué. Souvenez-vous. Baruch Urgell, ce sinistre assassin dont il est inutile de rappeler les crimes, a entièrement changé de personnalité grâce à une extraordinaire opération du docteur Cornelius Kram, qui mérite bien son surnom de sculpteur de chair humaine. Oui, grâce à cette opération, il est devenu le sosie très exact de Joey Dorgan, le fils du célèbre milliardaire américain William Dorgan. Comment Joey Dorgan, qui avait été enlevé par les bandits de la main rouge, se trouvait-il enfermé dans le laboratoire du docteur Cornelius ? Nous l'ignorons encore. Toujours est-il que le docteur a fait subir au vrai Joey Dorgan une transformation inverse. Il l'a transformé en Baruch Urgell, lui a enlevé la mémoire et l'a livré à la justice. Considéré comme fou, le pauvre Joey Dorgan a été enfermé au Lunatic Asylum de Greenaway. Quant à Baruch, maintenant sûr de son impunité, il roule en ce moment dans la luxueuse automobile de Cornelius vers le mystérieux rendez-vous que lui a donné le docteur. Hé, dites-moi, Leonello, où me conduisez-vous là, hein? Un peu de patience, Mister Baruch, vous le saurez bientôt. Oui, mais... D'ailleurs, nous voici arrivés. Suivez-moi, sœur. Pardon. Voilà, sœur, le docteur Cornelius et monsieur Fritz Kram vous attendent. Rassurez-vous, mon cher Baruch. Ce n'est pas à votre intention que nous portons ces masques sur le visage. Mais alors pourquoi ce déguisement? Vous allez comprendre. Oui, nous allons commencer. Mais il ne faut pas qu'on vous voie en notre compagnie. Passez par ici, dépêchez-vous. Cachez-vous derrière ce rideau. Écoutez et regardez. Vous allez connaître notre secret le plus important. Au premier... Mes respects, Milord, je m'appelle... Inutile de vous présenter, nous savons qui vous êtes. Votre fiche. Voici, Milord. Comment se fait-il que la marque de la main rouge n'y figure pas? Oh, Milord, excusez-moi, j'ai oublié... Que cela ne se renouvelle pas. Oh oui, Milord. Bon. Nous vous devons... $200. $200. Les voici. Oh, merci, Milord. Merci. Non, pas par là. Pas par là. Sortez par la porte de droite. Oui, merci. Au suivant. Milord, je suis le ministre de... Votre fiche. Ah, $50,000. $50,000, les voici. Inutile de compter, tout y est. Merci, Milord. La porte de droite. Oui, c'est ça. Au suivant. Milord, c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous voir. Votre fiche. $1,000. $1,000, les voici. Oh, Milord, mais c'est trop, je n'ai... C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien, la porte de droite. Au suivant. Votre fiche. Ah non, votre fiche. Allez, $500. $500. La porte de droite. Au suivant, votre fiche. Votre fiche. Votre fiche. $10,000. $10,000. Au suivant. Votre fiche. Votre fiche. $100,000. Et $100,000. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Votre fiche. $600. $600. Au suivant. Ah, au suivant. Il est d'usage de se découvrir devant les lords de la main rouge. Je n'aime pas beaucoup ces fameux lords que personne n'a jamais regardé en face. Et après tout, je m'en fous. Pourvu qu'on me donne mon fric. Votre fiche.
$500. Quoi? $500 seulement? Vous foutez de moi ou quoi? $500 pour avoir risqué 100 fois ma peau pour vous? Je veux $10,000 au moins, compris? Allez, mon flic, plus vite que ça. Jack Simpson, tu viens d'insulter gravement les lords de la main rouge. Ce n'est pas la première fois. Et tu seras puni. Moi? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. C'est pas avec des masques de carnaval qu'on m'intimide, moi! Allez, mes dollars ou je vous réduis en bouillie. Là, mon chien, lâchez-moi! Jack Simpson, tu as menacé les lords de la main rouge. Apprête-toi à subir le châtiment que tu mérites. Slug! Jackson! Bien. Enlevez-moi ce cadavre d'ici. Et allez le jeter dans une rue déserte. Et surtout, n'oubliez pas la marque de la main rouge sur sa joue. Allez. Oui, allez. Allez. Eh bien. Eh bien, la séance est terminée. Baruch, vous pouvez sortir de votre cachette. Mais alors? Eh, c'est vous, la main rouge? Eh oui. Vous commencez à comprendre maintenant. Et vous n'avez encore rien vu. Mais j'en reviens pas encore et... Mais je vous remercie vraiment pour cette extraordinaire marque de confiance. Mais nous savons que nous pouvons vous faire confiance, mon cher Baruch. D'ailleurs, si nous avons tenu à vous faire voir cela, c'est parce que vous allez être maintenant, vous aussi, un lord de la main rouge. Qui? Moi? Oui, vous. Nous avons décidé que vous seriez le troisième lord de la main rouge. Vous verrez que l'on éprouve de grandes joies à exercer ce formidable et mystérieux pouvoir. Ah, au fait, j'oubliais. Hein? Tenez. Mais... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que... Quelques banquenotes. Votre part de l'or de la main rouge dans le dernier partage. Non, je n'ai pas mérité. Prenez toujours. Vous êtes l'or de la main rouge, c'est une raison suffisante. Et rappelez-vous que ce ne sont pas toujours ceux qui sèment et qui récoltent le blé, qui mangent le pain. Ah non, il est temps de partir. Demain, vous aurez une rude journée. Une rude journée? Oui, c'est demain que Joey Dorgan, c'est-à-dire vous, prisonnier des bandits de la main rouge, réussirez à vous évader et retrouverez votre père, le célèbre milliardaire William Dorgan. Venez, venez. Nous vous expliquerons le scénario de vos retrouvailles en chemin. Passez, mon cher Lord. Passez. Êtes-vous prêt, Baruch? Je suis prêt. Vous avez bien compris le scénario. Quand les flammes commenceront à atteindre l'hôtel particulier de William Dorgan, vous vous précipiterez pour le sauver de l'incendie. Une échelle vous aura été préparée par nos hommes. William Dorgan sera dans son bureau. Vous avez bien retenu la disposition des lieux? J'ai bien retenu la leçon que m'a donnée Joe Dorgan. Mais dites-moi, comment avez-vous fait pour provoquer un tel incendie, hein? C'est tout un quartier de New York qui brûle. Oui, nos hommes ont bien travaillé. Il faut dire qu'ils disposaient d'un liquide incendiaire de mon invention, à base de phosphore. Il ne s'enflamme que quand il s'évapore. Comme cela, il est impossible de retrouver de traces. L'auteur de William Dorgan va y penser. Milliardaire grillé vide, c'est pas tous les jours qu'on assiste à un pareil spectacle. Allez, à vous de jouer, Baruch. Celui-là, il est fou! Arrêtez, jeune homme, vous allez vous faire crier tout vite! Mais laissez-moi, voyons! Une échelle, vite! Une échelle! Dani! J'arrive, père! J'arrive! I'm coming, Daddy! Coming! Il est pourvu que nous n'ayons pas attendu trop longtemps. Non, non, Fritz, ne t'inquiète donc pas, j'ai pris toutes mes précautions, d'ailleurs, regarde! Regardez! Il porte William Dorgan sur ses épaules! Mais qui est ce jeune homme? Il
lui a sauvé la vie. Ça y est, il est redescendu. Regardez, le vieux s'est évanoui. Écartez-vous. Laissez-moi m'approcher du blessé. Je suis médecin. Monsieur Dorgan, comment vous sentez-vous? Comment vous sentez-vous? Ah oui, l'incendie. Je me souviens, j'allais perdre connaissance quand j'ai senti quelqu'un me soulever, oui. M'emporter. Comment vous sentez-vous? Mais où est-il? Celui qui m'a sauvé la vie. C'est ici, père. C'est ici. C'est lui. Oh, Joey, mon cher. C'est Joey, toi, retrouvé. Viens dans mes bras, mon fils, que je te serre sur mon cœur. Daddy. Mon père, je suis heureux d'être arrivé à temps pour vous arracher à la mort. Oh, mon cher enfant. Si tu savais comme nous t'avons pleuré. Mes amis, je comprends votre émotion, mais nous ferions mieux de nous éloigner avant que l'hôtel ne s'effondre. Allez, poussez-vous. Daddy, permettez-moi de vous présenter maintenant, si vous voulez, le docteur Cornelius Kram et son frère Fritz Kram. Ouais. Oui, c'est grâce à eux que j'ai pu échapper aux bandits, la main rouge, et vous sauver la vie, c'est quoi? Oh. I am your son, and you're my father. Entrez, monsieur Baruch. Oh, pardon, je voulais dire, Mr. Joey Dorgan. Le docteur et son frère vous attendent. Ah, alors, mon cher Baruch, depuis 3 mois que vous êtes devenu le fils de William Dorgan. Comment jouez-vous votre rôle? À la perfection, mon cher docteur Cornelius. Même l'ingénieur Harry Dorgan, mon soi-disant frère, ne se doute de rien. Tout se passe donc comme nous l'avions prévu. Exactement. Et j'ai même commencé à mettre en œuvre un plan qui nous permettra de mettre la main sur les milliards de William Dorgan. Et quel est ce plan, mon cher Baru? Eh bien voilà, vous savez que le but du trust que dirige William Dorgan est de s'emparer de la totalité des moyens de production de coton et de maïs des États-Unis et que... Oui, nous savons tout cela. Au fait, Baru, au fait. Mais attendez, mon ami, ne soyez pas si impatient. William Dorgan aurait pu facilement réussir s'il ne s'était heurté à Freddy Orgel, mon vrai père, qui, lui, a réussi à monter un contre-trust. Comme ils ont à peu près les mêmes capitaux, ils se sont jusqu'à présent partagé le marché sans que ni l'un ni l'autre n'aient osé entamer la lutte. Ah, tel que je vous connais, mon cher Baruch, vous voulez pousser William Dorgan à engager cette lutte? Vous avez deviné, docteur Cornelius. Oui, mais je ne vois pas en quoi ça nous concerne. Mais vous allez comprendre tout de suite. Freddy Orgel ne se laissera pas faire. La lutte va être acharnée et il arrivera un moment où tous les deux seront à bout de souffle. Il suffira alors que l'un des deux trouve les capitaux nécessaires pour continuer la lutte et il pourra s'emparer de toute la fortune de l'autre. Oui, attendez, je commence à comprendre. Ces capitaux de la dernière chance, vous voulez que nous les apportions à William Dorgan? Exactement. Ainsi, nous deviendrons les principaux actionnaires du trust de William Dorgan, qui aura en plus réussi à s'emparer du trust de Freddy Orgel. Et je dois dire d'ailleurs que j'attache beaucoup d'importance à la ruine de mon vrai père. Ce sera ma vengeance. Mais nous n'avons pas les mêmes raisons que vous d'en vouloir à Freddy Orgel. Mais pour le reste, je dois dire que c'est bien raisonné. N'est-ce pas? Seulement, il y a une ombre au tableau. Ah, Harry Dorgan. Oui, vous avez deviné. Il a beaucoup d'influence sur William Dorgan. Et il s'opposera autant qu'il le pourra à nos projets. Je me charge de lui. J'essaie de le brouiller avec mon père. C'est difficile, non? Oui, mais pas impossible. Pas impossible. Au fait, vous ne m'avez toujours pas dit ce que vous pensiez de mon plan? C'est un plan audacieux. Nous mettrons à votre disposition tous les capitaux dont vous aurez besoin. Ah, mon cher Joey, je me demande si j'ai eu raison de te suivre aussi aveuglément. Mais si, Daddy, j'ai dépensé les millions sans compter. J'ai cru comme toi que nous allions triompher. Et à quoi avons-nous abouti? À la catastrophe.
Sais-tu combien il me reste de disponibilité? Eh bien, d'après mes calculs, Daddy, 20 millions de dollars. Et tu me dis ça tout tranquillement? Oui. J'aurais mieux fait d'écouter ton frère, Harry. Mais non, Harry ne cherche qu'à ménager Fred Yorgel. Vous savez bien qu'il est amoureux de sa fille Isidora, la sœur de Baruch. Baruch, l'assassin. Mais tu as peut-être raison, mais ça n'empêche pas que la situation est catastrophique. Mais non, mon père, ne vous inquiétez pas, je vous assure, j'ai tout prévu. Que diriez-vous si j'avais trouvé le moyen de résister pendant 6 mois, 1 an, aussi longtemps qu'il le faudra? Ça serait trop beau. Ce serait la victoire assurée, l'écrasement complet de Fred Yorgel. Mais tu ne plaisantes pas. Mais non, Daddy. Tu as vraiment trouvé des capitaux? Oui, oui, et c'est la surprise que je vous réservais. J'ai expliqué notre situation à nos amis Kram. Ils sont très riches, nos amis Kram, et ils ont des amis très puissants. Et pour commencer, ils m'ont fait un premier versement de 10 millions de dollars renouvelables quand nous voudrons. C'est chouette, ça. Magnifique! Merveilleux! Fred Yorgel est perdu d'avance, nous allons triompher sur toute la ligne! Tu as du génie! Daddy, je t'aime bien, tu sais. Bonsoir, père. Bonsoir, ma chérie. Alors, quelle nouvelle? Ça ne peut pas aller plus mal, Isidora. William Dorgan ne me laisse aucun répit. Mais comment cela se fait-il? Ne m'as-tu pas dit 100 fois que tu n'avais rien à craindre de cet Anglais que tu regardais comme parfaitement loyal? Mais oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il n'est plus le même depuis le retour de son fils, Joey. Et ce Joey semble me vouer une haine mortelle dont je n'arrive pas à connaître la raison. Et Harry Dorgan, père? Il doit être désolé. Oui, sûrement. Et je devine pourquoi. Vous vous aimez toujours? Oui, père. Je vais dire que tout cela est de la faute de ce scélérat de Baruch. Mais sans lui, il y a longtemps que vous seriez mariés. Ma pauvre petite. Tu dois bien comprendre maintenant que ce mariage ne se fera jamais. Qui sait? Les choses peuvent changer. Ne te fais pas d'illusions. Même si Harry Dorgan acceptait de prendre pour femme la sœur d'un assassin, je serai moi le premier à refuser ta main au fils de l'homme qui est en train de me dépouiller de mes derniers dollars. La catastrophe est-elle à ce point imminente? N'y a-t-il aucun moyen de... Mais si, il y en aurait un, mais il faudrait que j'aille implorer la pitié de William Dorgan et de son fils, et cela, je ne le ferai jamais. Et quel est ce moyen? Il faudrait que, dès maintenant, je vende toutes les propriétés, toutes les usines, toutes les terres, tous les stocks de mon trust. Ainsi, je ne perdrai que la moitié de ma fortune. Et je pourrai recommencer autre chose. Eh bien, j'irai moi-même en parler à Harry Dorgan. Voilà, je vous ai tout dit. Telle est la situation exacte de mon père. Pensez-vous que vous puissiez faire quelque chose? Je ne sais pas, ma chère Isidora. Il faudrait que je profite de l'occasion. Elle ne se représentera pas. L'occasion? Oui, les frères Kram et mon frère Joe sont en tournée dans nos plantations de maïs et de coton. Vous savez à quel point ils ont influencé mon père. Enfin, je ferai ce que je pourrai. Mais je ne peux rien vous promettre. Vous semblez furieux, mon père. Qu'y a-t-il? Je suis furieux, en effet. Ton frère Joey a beau être un spéculateur génial, il en prend vraiment un peu trop à son aise maintenant.
Il ne daigne même plus me consulter pour conclure des achats considérables, et c'est à peine s'il a la politesse de me prévenir une fois l'affaire conclue. Il est vrai qu'il a derrière lui pour le conseiller les frères Cornelius et Fritz Kram, qui sont très habiles. Oui, trop habiles, en effet. Beaucoup trop habiles. Enfin, qui dirige le trust? Moi ou les frères Kram? Maintenant, je ne compte plus. Vous avez un moyen très simple de leur prouver que vous êtes toujours le maître. Hein? Et quel moyen? Peux-tu me le dire? Traiter avec Fred Jürgen. Eh oui, je sais qu'il est prêt à vous céder son trust avec un bénéfice énorme pour vous. Traiter avec Fred Jürgen. Quelle drôle d'idée. Il est aux abois, il suffit d'attendre. Erreur, mon père, erreur. Fred Jürgen est comme vous. Lui aussi peut trouver des commanditaires et dans ce cas, la bataille ne finira jamais. En traitant avec lui maintenant et sans le conseil de personne, vous réaliseriez un bénéfice moins élevé, mais plus sûr. Et en somme, vous atteindriez le but recherché en devenant l'unique propriétaire du trust. Après tout, tu as peut-être raison. Oui. Je vais y réfléchir. Est vraiment excellent. Reprendrez-vous de ce cabernet Sauvignon, Baruch? Non, non, pas de Sauvignon, merci. Je vous avoue, Cornelius, que j'ai un faible pour ce cochon de lait aux bananes frites. Vraiment, Baruch, vous aviez raison d'insister pour que nous vous accompagnions dans cette tournée d'inspection des plantations de votre trust. De notre trust. Mais enfin, qu'y a-t-il, Baruch? Vous semblez bien nerveux aujourd'hui. Est-ce à cause de l'orage qu'approche? Non, je n'ai pas peur de l'orage. Bon, ce qui m'inquiète plutôt, c'est que nous avons quitté New York depuis 8 jours et que je n'ai aucune nouvelle de William Dog. Non, Baruch, il ne peut plus rien se passer. Je suis moins tranquille que vous, Fritz. Harry Dorgan est à New York et je m'en méfie. Il est capable de tout pour soutenir les intérêts de Fred Jürgen. Il ne faut rien exagérer. La défaite de Fred Jürgen est inéluctable. Ce n'est plus qu'une question de temps. Quelques semaines au plus. Et puis, si c'était nécessaire, nous pourrions toujours nous servir de la main rouge pour l'amener à une capitulation plus rapide. Quelques incendies dans ses docks, par exemple. Non, pas de ça. Oublions un peu la main rouge, veux-tu? Oui, oublier la main rouge, mais... Ce n'est pas avec les Tramps, Fritz, que nous arriverons à notre but. Ce que nous voulons, n'est-ce pas, c'est dominer le monde. Pour cela, il faut utiliser d'autres moyens. Les milliards de la finance, par exemple. Oui, mais l'association marche bien, pourtant, non? Mais pour combien de temps? Non, Fritz. Il faut laisser de côté les moyens que nous avons utilisés jusqu'à présent. Il faut repenser notre action. Vous avez raison, docteur. Plus de mesquines ambitions. Plus de petits moyens. Il faut maintenant d'autres collaborateurs que les Tramps. Des gens comme moi. Dites donc, Baruch, vous oubliez que nous aurions pu nous passer de votre collaboration. Tu te trompes, Fritz. Baruch a fait ses preuves. Il n'est pas question de remettre en cause notre collaboration. D'accord. Mais qu'il ne soit plus jamais question d'abandonner la main rouge. Eh bien, n'en parlons plus. Mais... nous ferions bien de quitter cette terrasse et d'aller nous mettre à l'abri avant que l'orage n'éclate. N'ayez aucune crainte, il n'éclatera pas. J'ai donné des ordres. Des ordres pour que l'orage n'éclate pas? Non, Fritz, ne te moque pas de Baruch. Je crois comprendre, si je ne me trompe pas, Baruch.
Vous allez nous faire une démonstration de ce que vous avez appris chez le professeur Bandona. Professeur Bandona, qui est-ce ? Voyons, Fritz, rappelle-toi l'ami de Maubreuil. De Maubreuil, que Baruch. Mais non, à quoi bon appeler cette histoire ? C'est du passé, voyons. Mais si nous allions quand même nous mettre à l'abri, regardez, le ciel est devenu tout noir. Mais ne vous inquiétez donc pas comme ça. Vous voyez ces canons paragrès là-bas près de la ferme ? Eh bien, il suffit que je donne des ordres, et dans quelques minutes, le ciel... devenu bleu. Tout bleu. Hé ! Êtes-vous prêts, là-bas ? Oui ! Hé ! Attention ! Hé ! Mais tirez donc ! Tirez donc ! Encore ! Encore ! Savant, c'est même le seul que je considère comme mon égal en science. Vous n'avez aucune honte à avoir, hein ? Si seulement nous l'avions comme associé. Mais c'est une idée. Faisons le pire. Oh. On ne fera jamais. Même en le payant très cher. Même en le payant très cher. L'argent ne l'intéresse pas. Alors, enlevons-le. Voyons, le docteur Cornelius. Est-il sérieux en proposant d'enlever le professeur Bandona ? Le sinistre trio entreprendra-t-il ce projet ? Eh bien, vous le saurez en continuant d'écouter notre grand feuilleton de raquettes et de violence, le mystérieux docteur Cornelius. Prochain épisode, le chercheur de sensations rares. Thank you.